bonjour et bienvenue à cette célébration en la fête de l'Ascension du Seigneur. Après avoir pleinement accompli sa mission sur terre, Jésus retourne vers son Père et entre dans la gloire. Aujourd'hui, demandons-lui de nous remplir de sa joie, de sa force et de son amour, afin de poursuivre la mission reçue. À nous d'être ses témoins. Alors, je vous invite à vous lever et d'accueillir le célébrant. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, resplendissant de la gloire du Père, soit toujours avec vous. Le Seigneur nous a assigné une mission. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ses attentes et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es monté au ciel. Mais tu ne nous oublies pas. Quand nous nous détournons de toi, prends pitié de nous. Ô Christ, par ton ascension, tu nous enseignes le chemin qui conduit au Père. Quand nous préférons suivre d'autres voies, prends pitié de nous. Seigneur, tu sièges auprès du Père et tu partages sa gloire. Quand nous choisissons les ténèbres plutôt que ta lumière, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qui nous rende dignes de participer au banquet du royaume dans la gloire de la vie éternelle. Amen. Thank you.
Le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas, qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Tous les
chante parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats du corps, sonnez pour notre Dieu, sonnez pour notre roi, sonnez. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, en le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles.
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Quarante jours après la Pâque, l'Église fête l'ascension du Seigneur. C'était le jeudi dernier que ça a été fêté, mais pour des raisons bien justifiées, c'est aujourd'hui que nous la fêtons ici. Que signifie pour le croyant l'ascension et à quoi cela nous engage-t-il? Voilà les deux questions auxquelles je vais tenter de répondre brièvement. Que signifie pour nous l'ascension? L'ascension signifie pour nous l'achèvement de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Et par conséquent, sa victoire sur toutes les puissances du mal. L'ascension exprime d'une certaine façon la seigneurie universelle du Christ. Le Christ est Seigneur sur l'univers. C'est pourquoi lui-même dans l'Évangile dit « Tout pouvoir m'a été confié au ciel et sur la terre ». Et cette vérité incontestable, certains auteurs, tels Saint Paul dans la lettre aux Romains, la lettre aux Philippiens, a tiré les conséquences de cette vérité incontestable. Saint Paul a dit « Jésus-Christ est Seigneur ». Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Devant lui, tout genou fléchira au ciel, sur terre et sous la terre, et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Puissions-nous en prendre conscience. L'ascension signifie également le début d'une nouvelle manière du Christ d'être présent à son peuple, à sa communauté. Jésus-Christ retourne vers le Père, mais il n'est pas absent. Par sa parole, son enseignement, ses commandements et ses sacrements confiés aux apôtres et transmis à l'Église, Jésus assure une présence permanente auprès de nous. Je dirais même une présence plus efficace. On n'a jamais entendu dire, quand Jésus était sur la terre, qu'au moment où il était à tel endroit avec Pierre en train de guérir un malade, qu'il était avec Jacques à un mariage et avec d'autres disciples à la synagogue. Non, il était présent en un seul endroit, même s'il était Dieu. Mais depuis l'ascension, le Christ est capable, sinon même ce n'est pas seulement capable, il est présent auprès de chacun de nous et partout dans le monde, à tout moment. L'ascension permet donc au Christ d'assurer une présence permanente et plus efficace auprès de chacun d'entre nous. L'ascension, la montée du Christ au ciel, montre la seigneurie du Christ et assure une présence du Christ auprès de son peuple. Mais à quoi cela nous engage-t-il? À plusieurs choses. Je voudrais juste évoquer quatre. Premièrement, l'ascension nous engage à la joie et à l'action de grâce. À la joie et à l'action de grâce. Comme l'a dit d'ailleurs la prière d'entrée, la joie et l'action de grâce doivent nous marquer aujourd'hui, en ce jour de fête. Parce que l'action du Christ prélude de notre victoire sur le mal également et de notre entrée certaine au ciel. Si le Christ est entré au ciel, c'est que nous aussi nous irons. D'ailleurs, il a dit dans l'Évangile, « Là où je vais, vous ne pourrez pas y aller maintenant. » Il n'a pas dit « Vous n'irez jamais ». Mais maintenant, ça veut dire que nous irons également au ciel. Et voilà le signe, puisque lui qui est la tête, il est entré. Cela doit susciter en nous de la joie et de l'action de grâce. Que Dieu puisse nous offrir cette possibilité de participer en Jésus-Christ à sa divinité. La deuxième chose à laquelle nous engage
La fête de l'Ascension, c'est à rester toujours membre du corps du Christ. C'est notre seule garantie. Parce que là où la tête est entrée, sûrement le corps passera. Si le Christ est parti au ciel, s'il est entré, c'est que nous aussi, nous irons, puisque nous sommes membres de son corps. Donc notre garantie, c'est de toujours demeurer membre du corps du Christ. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de doctrines, d'idéologies, de démonstrations faussement et consciemment élaborées pour nous éloigner du Christ, pour nous détacher de la tête. Frères et sœurs, soyons vigilants, tenons ferme dans la foi et protégeons l'héritage de la foi qui nous a été transmis, car c'est notre seule garantie pour aller au ciel. Si nous restons attachés au Christ, si nous demeurons membres du corps du Christ, alors notre ciel est garanti. La troisième chose à laquelle nous engage la fête de l'Ascension, c'est de mouiller spirituellement les maillots. J'espère que vous connaissez bien l'expression « mouiller les maillots », c'est-à-dire se déranger, se donner de la peine, mais sur le plan spirituel. Car le Christ n'est monté au ciel qu'après avoir accompli sa mission. De même, le croyant ne connaîtra l'Ascension qu'après avoir accompli sa mission. Et notre mission, celle que le Christ nous a confiée, est clairement définie dans l'Évangile. « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder mes commandements. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes partout dans le monde. Ça, c'est réussi. Il n'y a aucun coin du monde où on ne trouve un seul chrétien, il n'y en a pas. Les chrétiens sont partout dans le monde, mais tout le monde ne connaît pas encore Jésus-Christ. Donc la mission reste toujours valable. Comment travailler pour que Jésus soit connu de tous? Mais pas d'illusion, ne restons pas par exemple à Vaudreuil tout en pensant à comment évangéliser quelqu'un qui se trouve à Vladivostok ou au Bénin chez moi, non. La mission là, c'est tout près de nous. Comment chacun peut faire connaître le Christ dans sa famille, dans son travail, dans son quartier, dans son environnement? C'est cela qui doit nous préoccuper. Alors notre manière de vivre peut aider à faire connaître le Christ autour de nous. La quatrième chose et la dernière à laquelle nous engage la fête de l'Ascension, c'est d'accueillir l'Esprit Saint, sans qui rien de tout cela n'est possible. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à poursuivre le chemin. Comme on le dit classiquement, c'est lui qui sanctifie le monde et le conduit progressivement vers sa perfection. Quand le Christ dit « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il veut également évoquer la présence de l'Esprit Saint auprès de nous. C'est pourquoi il dit « C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans quelques jours. » Car c'est l'Esprit Saint qui va nous tenir debout. Et depuis quelques jours déjà, tous les enseignements, les lectures que nous avons reçues nous expliquent l'importance de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Alors aujourd'hui, nous sommes invités, comme les apôtres, à attendre l'Esprit Saint. Depuis quelques jours, on a commencé la neuvaine de préparation à la fête de Pentecôte. Peut-être que tout le monde ne fait pas cette neuvaine, mais par contre, nous sommes tous appelés à désirer pendant ces quelques jours qui nous séparent de Pentecôte, à désirer l'Esprit Saint. Il faut que le chrétien comprenne l'importance de l'Esprit Saint dans sa vie. Désirons l'Esprit Saint. Si nous le désirons, nous le recevrons à la Pentecôte. Et certainement, le week-end prochain, avec la fête de la Pentecôte, nous découvrirons un peu mieux, d'ailleurs, comme c'est le cas pour nous chaque fois, puisque nous comprenons chaque jour davantage, un peu plus, le mystère de Dieu. Nous découvrirons un peu plus ce que c'est que l'Esprit Saint. Alors désirons l'Esprit Saint et prenons ces quelques jours qui nous séparent de la Pentecôte pour l'inviter à venir prendre possession de tout notre être. Amen.
Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père pour que, fidèles à la mission reçue du Christ, nous soyons des témoins convaincus de sa présence salvatrice. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, invitée à être présence évangélique dans le monde et à s'ouvrir toujours plus aux nombreux peuples et cultures, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui luttent contre tout type de discrimination et de violence, prions le Seigneur. Pour les personnes qui œuvrent dans leur paroisse et leur société en servant leur prochain à la manière du Christ, prions le Seigneur. Pour les migrants et leurs familles qui espèrent trouver une terre accueillante où vivre en paix et en sécurité, prions le Seigneur. Pour nous tous qui avons pour mission de transformer ce monde en un lieu d'amour, de respect et de liberté, prions le Seigneur. Père très bon, écoute la prière de ton peuple et soutiens-nous dans nos efforts pour œuvrer à l'avènement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Il reviendra comme il l'a dit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés renaît de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Porte, levez vos frontons, élevez-vous,
portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. Jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Noël, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui dorment dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de Roland Séguin, de André Périard, Gabriel Gendron, Rita Pilon, Charles-Henri Poulain. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance et assurance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout, ma Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette nuit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui tout cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Nous recommandons à vos prières M. Émile Lavigne, 87 ans, veuf de Mme Marie-Claire Lorrain. Les funérailles seront célébrées à l'église Très-Sainte-Trinité le 31 mai à 14h. Il y aura temps d'accueil à partir de 12h30. D'autres nouvelles, il y aura messe le jour de la Saint-Jean-Baptiste, 24 juin, à Saint-Pierre à 10h, au Théâtre des Cascades, suivi d'un brunch. Les billets pour le brunch sont en vente dès maintenant. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de messe à l'église Très-Sainte-Trinité le samedi 24 juin. Dimanche prochain, 4 juin, la messe des Seigneuriales sera célébrée à l'église Saint-Michel à 10h, ici même. Il n'y aura pas de messe à l'église Très-Sainte-Trinité ce jour-là. La seule messe, ici à 10h. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des moyens de communication sociale. Pour l'Église, les médias sont à la fois un lieu privilégié de dialogue avec la culture moderne et une nouvelle place publique pour la proclamation de l'Évangile. Ayons une pensée pour tous ceux qui œuvrent dans ce domaine de la communication. Pensons tout spécialement à l'équipe qui couvre nos messes les dimanches ici, afin que le Seigneur les assiste et leur donne le courage d'aller toujours de l'avant. Prions encore le Seigneur. Non, s'il vous plaît, restez assis. J'ai oublié. Restez assis, s'il vous plaît. Le dimanche dernier, nous avons accueilli Martin Belle-Rose qui nous a fait part d'un message. Alors, toujours dans le même sillage, nous accueillons ce matin Mélanie. Elle-même se présentera à vous et vous dira son message. Merci. Bonjour. Je m'appelle Mélanie Pilon et je fais partie de l'équipe pastorale de la paroisse Saint-Michel depuis le mois d'août dernier. J'ai touché à différents projets au cours de l'année, mais mon engagement principal consiste à accompagner les adultes qui demandent la confirmation. J'ai fait partie du comité qui s'est penché sur l'avenir de la paroisse et j'y ai côtoyé des personnes qui mettent tout leur cœur dans notre communauté. Bien que chacun présente différentes préoccupations, le message de Jésus demeure au centre des motivations de tous. Je vais brièvement vous décrire l'image de l'Église dont je rêve. Je souhaite d'abord une Église ancrée dans sa communauté et attentive aux besoins de toutes les personnes du milieu, particulièrement des plus vulnérables. J'espère voir des visages accueillants se tourner vers les gens qui ne sont pas certains d'être à leur place. Je recherche ensuite une Église qui offre différentes façons de célébrer, de partager la parole de Dieu et de vivre des moments de fraternité pour rejoindre chacun dans son vécu et dans sa spiritualité. Finalement, je désire une Église qui fait équipe afin que les ressources de tous soient mises au profit de notre objectif commun, aimer Dieu et son prochain. J'ai déjà constaté la force du travail d'équipe en place dans la paroisse depuis plusieurs années, et ce, dans plusieurs champs d'activité. J'espère apporter ma contribution en collaborant à divers projets favorisant l'ouverture aux autres, l'initiative des paroissiens et le développement d'un sentiment d'appartenance. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci, Mélanie. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Une bénédiction solennelle prévue pour le jour de l'Ascension. Je vous invite à vous incliner pour la recevoir. Le Seigneur soit avec vous.
Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne fête de l'Ascension à tous. Allez. Soulanges en spectacle. Une nouvelle série qui vous propose de découvrir une variété d'artistes talentueux de la région. À ne pas manquer sur les ondes de C'est sur la télé. Ah, c'est tellement drôle, t'aurais dû y voir la face. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, à ma place? Je sais pas, mais je serais sûrement pas resté planté là à attendre sa réponse, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Hey, ça va tenter de jouer au pool? Ah ouais, je suis partant. Tu viens-tu? Non, je vais passer mon tour. Ouais, non. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dis tout le temps non. Viens non, ce serait cool. Je suis vraiment fatiguée, je vais aller chez moi. Comme tu veux. En Montérégie, une personne sur neuf n'a pas les moyens de se nourrir convenablement.